Bonsoir, nous sommes mercredi 9 septembre et le numéro 255 de l'hebdomadaire La Tribune des Travailleurs vient de paraître. Un hebdomadaire qui cette semaine consacre une grande partie de ses pages d'ouverture et sa une à une question qui concerne des millions de parents, d'enseignants, de personnels et bien sûr d'élèves, de lycéens et d'étudiants, la rentrée scolaire. Il y a quelques semaines, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, nous promettait une rentrée qui serait marquée par de nombreuses contaminations d'enseignants et d'élèves au virus du Covid-19. Eh bien voilà, on y est. En cette rentrée, le 8 septembre, d'après les chiffres donnés par le ministère de l'Éducation nationale, 260 classes fermées pour cause de contamination, 28 écoles entièrement fermées pour cause de contamination, et comment pourrait-il en être autrement? Comment pourrait-il en être autrement alors que les postes ne sont pas pourvus? Alors que non seulement les classes sont souvent surchargées, mais que leur taille, évidemment, n'a pas augmenté, interdisant le respect de la distanciation physique. Comment pourrait-il en être autrement alors que des centaines et des centaines de classes ont été fermées sur décision du gouvernement ces précédents mois, et on pourrait également parler du prix des masques qui est à la charge des familles et des enseignants, et on pourrait également parler du fait que non seulement le gouvernement n'a pas embauché les enseignants qui auraient été nécessaires pour assurer une rentrée scolaire digne pour des millions d'élèves, mais non seulement il n'a pas embauché, mais il a licencié par milliers les enseignants contractuels en ne renouvelant pas leur contrat en cette rentrée. Alors, vous lirez dans la Tribune des Travailleurs cette semaine des témoignages d'enseignants, de parents qui accusent le gouvernement. Qui accusent le gouvernement de ce que nous avons appelé cette semaine un chaos nommé Blanquer. Un véritable chaos quand ce professeur de mathématiques dans un lycée s'arrache les cheveux, dit-il, parce qu'il accueille des élèves qui ont subi les conséquences de plusieurs mois de confinement, de soi-disant téléenseignement qui aboutit à un véritable naufrage scolaire, qui s'ajoute par ailleurs à la mise en place de la réforme du lycée. Témoignage qui accuse de cette institutrice spécialisée, qui est confrontée au fait que, comme dans des centaines d'écoles, des milliers d'élèves handicapés ne bénéficient plus de l'aide des AESH auxquelles ils avaient droit jusqu'à présent et sont, dit-elle, les premières victimes de cette rentrée. Témoignage qui accuse ces parents d'élèves d'écoles publiques de la ville de Bagnolet en région parisienne qui se mobilisent comme des milliers de parents dans toute la France pour exiger l'ouverture des classes nécessaires à ce que leurs enfants puissent s'instruire dans des conditions décentes. Et la Tribune des Travailleurs cette semaine consacre également une page à la situation dans les universités. Certes, la rentrée des universités n'a pas encore eu lieu partout, mais d'ores et déjà, les témoignages que les étudiants apportent dans notre journal cette semaine sur le fait qu'on leur a d'ores et déjà annoncé qu'une semaine sur deux, ils devraient subir un téléenseignement depuis chez eux, qu'ils n'auraient plus droit toutes les semaines à avoir un cours dans une salle avec un professeur en chair et en os devant eux. Ces témoignages sont tout aussi accusatoires contre la politique du gouvernement. La Tribune des Travailleurs publie notamment une contribution de deux enseignantes de l'enseignement supérieur qui l'affirment, le téléenseignement, ce n'est pas de l'enseignement. Alors, comme le disent ces parents d'élèves de Bagnolet, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, mais on sait que l'argent, il est là. Et cette semaine, notre journal revient sur ce qui s'est passé il y a quelques jours, au même moment où cette rentrée scolaire chaotique avait lieu. Le gouvernement annonçait avec tambours et trompettes son nouveau plan de relance, 100 milliards d'euros, dit-il, consacrés à la relance de l'activité, à la relance de l'économie. 100 milliards d'euros, en réalité, nous le détaillons, parce que les travailleurs ont le droit de savoir, nous le détaillons dans notre journal cette semaine, 100 milliards d'euros qui, en réalité, à l'exception de quelques dizaines de millions d'euros, iront à nouveau dans la poche des patrons et des banquiers. Comme avant eux, les 343 milliards d'euros votés à l'unanimité de l'Assemblée nationale
le 19 mars dernier, qui ont servi à remplir les poches des patrons et des banquiers et maintenant à organiser les plans de licenciement. 100 milliards d'euros qui s'ajoutent à ces 343 milliards d'euros qui avaient été augmentés à 460 milliards. Ça veut dire que depuis 6 mois, ce n'est pas moins que 560 milliards d'euros qui ont été versés par le gouvernement aux patrons et aux banquiers, c'est-à-dire deux fois le budget annuel de la France. 560 milliards d'euros qui sont utilisés par les patrons pour organiser aujourd'hui les plans de licenciement, par exemple chez Renault, par exemple à Air France, par exemple dans une multitude d'entreprises qui, après avoir bénéficié de ces garanties bancaires ou de ces aides directes de l'État, procèdent au dégraissage, comme ils disent, de leurs effectifs, jetant des milliers et des milliers de travailleurs et de familles ouvrières dans la précarité et la misère. Alors d'un côté, ces sommes astronomiques qui sont jetées dans la poche des banques et des capitalistes, et de l'autre côté, cette rentrée scolaire catastrophique et chaotique avec une annonce faite par M. Blanquer que va s'ouvrir dans les semaines qui viennent ce qu'il appelle un Grenelle, c'est-à-dire une discussion à laquelle il invite les partenaires sociaux, c'est-à-dire les organisations syndicales, pour, dit-il, parler de la revalorisation des salaires. Bien entendu, les enseignants dans ce pays, comme tous les travailleurs, veulent l'augmentation de leurs salaires, qui sont bloqués depuis des années et des années. Mais s'agit-il réellement de cela dans ce Grenelle promis par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale ? En réalité, nous savons que dans les sommes allouées par le gouvernement à différentes fonctions, ce qui est prévu pour les salaires des salariés de l'Éducation nationale, les 900 000 enseignants, les 200 000 personnels, s'élève au grand maximum à 400 millions d'euros, c'est-à-dire environ 30 euros par mois, alors que les revendications des enseignants et de leurs organisations sont évidemment bien au-delà. Est-ce qu'il s'agit donc réellement de cela dans ce Grenelle ? Monsieur Blanquer vend la mèche puisqu'il dit « Bien sûr, on va parler de la revalorisation des salaires, mais on va surtout parler de la transformation profonde du système éducatif. » Et on comprend bien que c'est là tout le mécanisme des tables rondes, des concertations qui visent, pour le gouvernement, à chercher à associer les organisations syndicales des travailleurs à la remise en cause, de toutes les conquêtes, de tous les acquis. Et quand M. Blanquer parle de transformation en profondeur du système éducatif, eh bien, il suffit de regarder la réalité de ce qu'est cette rentrée scolaire pour avoir une petite idée de quelle transformation il peut s'agir. Alors, dans le journal cette semaine, une fois n'est pas coutume, nous donnons la parole à un banquier. Dans l'éditorial de la Tribune des Travailleurs, nous citons M. Patrick Artus. Il est chef économiste de la banque d'investissement Natixis. Et dans le journal des patrons, Les Échos, enfin un des journaux des patrons, Les Échos, M. Artus explique la chose suivante. Le capitalisme va se durcir. Et M. Artus annonce une montée en flèche des plans d'économie, des suppressions d'emplois, des baisses de salaires, des délocalisations encore plus massives. Le gouvernement vient d'offrir 20 milliards d'euros de baisse des impôts sur la production aux patrons, mais M. Artus dit « c'est bien, mais il faudrait les amputer de 50 à 60 milliards », regrette-t-il, et puis il déclare « imaginez ce qu'on pourrait faire grâce aux ressources dégagées par une baisse de 25% de la masse salariale de nos fonctionnaires ». Voilà, 25% en moins de fonctionnaires, 25% de salaire en moins. Voilà les propositions de M. Artus de la banque Natixis. Et imaginons ce que seraient aujourd'hui des hôpitaux avec 25% de personnel en moins, des écoles, des universités avec 25% de personnel en moins. Et bien entendu, M. Artus n'oublie pas la nécessaire, selon lui, réforme des retraites, c'est-à-dire le pillage des retraites que les travailleurs ont conquis par leur lutte. Alors en réalité, M. Artus, qui s'exprime dans une pleine page du journal Les Échos, ne fait qu'exprimer tout haut ce que le gouvernement Macron-Castex organise en silence et par étapes.
Ce que fait le gouvernement, est-ce autre chose finalement que ce que revendique M. Artus au nom des banquiers et des capitalistes? Répétons-le, le 19 mars à l'Assemblée nationale, à l'unanimité, était voté un plan de 343 milliards d'euros. Ce plan a été augmenté à 460 milliards. Et maintenant, on rajoute encore 100 milliards pour les patrons et les capitalistes qui servent à dégraisser, qui servent à licencier. Et pendant ce temps, la rentrée scolaire, pendant ce temps, la situation dramatique des hôpitaux, pendant ce temps, les dizaines de milliers de salariés qui perdent leur emploi ou qui sont menacés de le perdre dans les semaines qui viennent. Mais comme le souligne l'éditorial cette semaine, M. Artus fait abstraction d'une donnée importante qui existe, la lutte de classe, c'est-à-dire la capacité des travailleurs à rassembler leurs forces avec leurs organisations pour s'opposer et mettre en échec l'ensemble de ces plans destructeurs. Et précisément, aider les travailleurs à rassembler leurs forces dans l'unité pour mettre un coup d'arrêt au licenciement et au plan de destruction, c'est ce qui est à l'ordre du jour de la rencontre nationale de délégués des comités pour l'unité pour l'interdiction des licenciements qui se réunira à Paris le samedi 19 septembre. Vous le savez, cela fait plusieurs mois que notre hebdomadaire mène campagne pour l'interdiction des licenciements. Une revendication qui est largement partagée par des milliers et des milliers de salariés menacés ou pas de perdre leur emploi, par des militants de toutes tendances dans les organisations syndicales, dans les partis politiques, des militants, des travailleurs qui comprennent que la seule façon de mettre un coup d'arrêt à la saignée organisée par le patronat et le gouvernement dans ce pays, c'est l'interdiction des licenciements et pour cela, il faudra l'unité. Alors cette semaine, notre journal qui, à sa façon, évidemment, aide à préparer cette rencontre nationale de militants, de travailleurs qui combattent pour l'interdiction des licenciements, donne la parole, par exemple, à Fabrice Criquet, syndicaliste force ouvrière à Aéroport de Paris, qui explique la bataille contre le plan de 700 suppressions d'emplois annoncé par la direction, donne la parole au camarade Karl Gazi, secrétaire du syndicat CGT Commerce à Paris, qui explique les ravages des licenciements dans le secteur du commerce dans la capitale et pour les raisons pour lesquelles il se prononce pour l'interdiction des licenciements. La Tribune des travailleurs, comme chaque semaine, poursuit son combat au service de la lutte pour l'unité, pour l'interdiction des licenciements. Et puis, rassembler les forces des travailleurs pour les aider à mettre un terme à la politique de destruction menée par le gouvernement au service de la classe capitaliste, c'est bien entendu ce qui est au centre de l'adresse du Bureau national du Parti ouvrier indépendant démocratique qui s'est réuni le 5 septembre. Cette adresse qui est destinée à ouvrir la discussion avec les travailleurs, les jeunes, les militants ouvriers qui n'acceptent pas l'ordre établi, qui cherchent les voies du combat. Cette adresse, elle est publiée et soumise à la discussion par notre hebdomadaire cette semaine. Et bien entendu, elle pose un certain nombre de questions, et en particulier une question qui est évidente pour tout travailleur, pour toute mère de famille, pour tout jeune confronté aujourd'hui à cette politique de destruction. Pourquoi ces 560 milliards d'euros que le gouvernement, grâce au vote unanime du 19 mars à l'Assemblée nationale, que le gouvernement vient de donner aux patrons et aux capitalistes, pourquoi ces 560 milliards d'euros ne seraient pas mis au service des travailleurs, des services publics, ne seraient pas utilisés pour assurer une rentrée scolaire digne de ce nom aux élèves, aux lycéens, aux collégiens? Pourquoi ces 560 milliards d'euros ne seraient pas réquisitionnés pour être mis au service du développement des hôpitaux, au moment où on parle d'un retour en force de la pandémie? Pourquoi ces 560 milliards ne seraient pas mis au service du maintien de tous les emplois, quitte à prendre un petit peu dans la poche des capitalistes et des banquiers? Et ces questions, elles doivent être discutées. Fallait-il accepter le cadre commun avec Macron dans ce vote du 19 mars à l'Assemblée nationale de sauver les capitalistes alors qu'en réalité, le problème qui est posé aujourd'hui, c'est de sauver les travailleurs, sauver la population? Et puis, dans une situation où de plus en plus nombreux, nous aspirons à une rupture avec cette politique, de plus en plus nombreux, nous comprenons qu'il faudra reconstruire et réorganiser la société sur d'autres bases que celles du système capitaliste en putréfaction. Eh bien, la question qui est posée, c'est
et qui est posée dans cette adresse du Bureau national du Parti ouvrier indépendant démocratique, c'est: faut-il attendre les élections présidentielles de 2022, comme nous le proposent certains, ou bien le problème est-il posé aujourd'hui d'une véritable assemblée constituante souveraine qui permettra au peuple de décider par lui-même des formes et du contenu de la démocratie? Ce sont des questions qui sont soumises au débat de tous les travailleurs, les jeunes qui cherchent une issue aujourd'hui et que le Parti ouvrier indépendant démocratique propose de mener dans le cadre de la préparation de son congrès qui se réunira les 26 et 27 septembre et qui sera un moment de la discussion sur une issue politique dans la situation. Alors, il y a bien d'autres sujets qui sont traités dans ce numéro de la Tribune des Travailleurs. Je ne peux pas les évoquer tous. Il y a par exemple les suites de la lutte contre la répression antisyndicale qui se déchaîne et qui s'est déchaînée pendant tout l'été. Vous lirez dans ce numéro de la Tribune des Travailleurs une interview du camarade Alexandre Elgamal, machiniste dans un bus de la RATP au dépôt de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, que la direction de la RATP vient de révoquer, c'est-à-dire de licencier, en raison de ses activités syndicales et en particulier pour le punir, lui et tous ceux qui à la RATP ont participé massivement à la grève contre la réforme des retraites et qui quotidiennement dans les dépôts, dans les entreprises, font le nécessaire travail syndical de défense des salariés. Vous lirez également dans ce numéro des articles concernant la démarche commune des organisations syndicales en direction du ministère du Travail pour exiger le rétablissement dans ses droits de l'inspecteur du travail et militant syndical Anthony Smith, qui vient d'être muté d'office à des centaines de kilomètres de chez lui. Vous lirez également dans ce journal un article sur les conséquences encore et maintenant sur les travailleurs de la pandémie de Covid-19 et en particulier des conséquences de sa gestion, entre guillemets, par le gouvernement Macron. Vous le savez, notre hebdomadaire s'est toujours refusé depuis plus de 8 mois de prendre position sur des questions médicales et scientifiques. Laissons la médecine aux médecins, laissons la science aux scientifiques. Les médecins et les scientifiques, d'ailleurs, mènent des controverses tout à fait légitimes sur un virus qu'on ne connaît pas encore très bien. Non, la Tribune des Travailleurs, depuis plus de 8 mois, s'est contentée à sa place de parler et d'écrire et de dénoncer les conséquences de cette pandémie et de sa gestion par les gouvernements sur les travailleurs. Et force est de constater qu'aujourd'hui, au moment où un certain nombre d'indicateurs médicaux montrent que la pandémie continue à se développer, où le nombre de patients admis dans les services de réanimation d'un grand nombre d'hôpitaux à Marseille, à Lille, dans d'autres villes, est en augmentation. Force est de constater que ce gouvernement fait tout pour défendre une seule priorité qui est non pas les patients, non pas la santé de la population, mais le bon fonctionnement de leur économie, qui est l'économie capitaliste. Monsieur Macron, le 31 mars, nous en parlons dans le journal, avait en particulier annoncé que les hôpitaux seraient équipés de 10 000 respirateurs. Quelques mois plus tard, la vérité est là. Les 10 000 respirateurs ont bien été commandés, mais ce sont des respirateurs qui ne correspondent absolument pas aux besoins de patients atteints du virus du Covid-19. C'est ce que disent des professeurs de médecine, des épidémiologistes. Et on comprend bien que dans cette situation, plus que jamais, le problème, c'est que la priorité doit être donnée à la santé de la population, à l'accueil des patients dans les hôpitaux, à assurer le fait que les patients ne seront pas triés en fonction de la possibilité de les sauver ou pas, comme cela a été fait dans les hôpitaux il y a quelques mois, mais que tous seront soignés. Et cela, évidemment, est contradictoire avec le fait d'offrir 560 milliards d'euros aux patrons et aux banquiers. Alors il y a évidemment, comme chaque semaine dans notre hebdomadaire, l'actualité internationale. L'actualité internationale, cette semaine, je voudrais en évoquer quelques aspects qui sont traités dans le journal. Ils s'appelaient Dai John Kidzi, Dion Kay et Daniel Prude. Ce sont les 3 derniers de la longue liste de Noirs américains assassinés par la police. Les derniers l'ont été il y a quelques jours
à Washington, à New York, assassiné de sang-froid, de plusieurs balles dans le dos par la police, dans une situation qui montre une nouvelle fois le caractère profondément institutionnel du racisme aux États-Unis, son caractère profondément ancré dans les institutions de l'État américain, contre lequel, racisme institutionnel, contre lequel, vous le savez, depuis des mois et des mois, se dressent par dizaines de millions des travailleurs, des jeunes aux États-Unis, quelle que soit leur couleur de peau, pour en finir avec ces conséquences de plus de 400 ans d'oppression des Noirs aux États-Unis. Est-ce que cette aspiration à en finir avec l'oppression des Noirs trouvera une solution dans le cadre des élections présidentielles du mois de novembre, où s'oppose Trump, le candidat du Parti républicain, et Joe Biden, le candidat du Parti démocrate, deux partis, rappelons-le, qui représentent chacun les intérêts de la bourgeoisie américaine depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il est peu probable que ce soit le cas, plus exactement, ce ne sera pas le cas, affirment les militants ouvriers et les militants noirs qui, aux États-Unis, préparent une conférence les 19 et 20 septembre pour, comme ils disent, briser l'étau des deux partis des capitalistes américains, le Parti démocrate et le Parti républicain. D'autres sujets d'actualité internationale sont traités cette semaine dans la tribune des travailleurs, les suites des événements en Biélorussie, où, comme le disent des militants auxquels nous donnons la parole, le problème n'est pas seulement de se débarrasser du dictateur Loukachenko, mais aussi de se débarrasser de ses privatisations, de ses contre-réformes anti-ouvrières, contre-réformes que la prétendue opposition à Loukachenko a inscrit dans son programme, elle qui s'est mise au service de l'Union européenne et de l'impérialisme américain. Également, nous traitons d'autres aspects de la situation internationale, la mobilisation des travailleurs de Numilog en Algérie contre le rapace patron milliardaire Rebrab, qui les a licenciés parce qu'ils avaient osé créer un syndicat, la mobilisation historique à Maurice, cette île de l'océan Indien où près de 10% de la population est descendu dans la rue le 29 août, mais, ou comme le disent nos correspondants de l'organisation ouvrière Lalit, un certain nombre de questions sont posées par cette mobilisation, et en particulier la participation dans cette mobilisation, bien sûr des travailleurs, mais aussi de secteurs de la bourgeoisie qui n'ont évidemment pas le même agenda que les travailleurs qui descendaient protester dans la rue ce jour-là. Et puis enfin, notre journal, dans le cadre de l'actualité internationale cette semaine et dans le cadre de sa tribune libre, est heureux de pouvoir donner la parole à un vieux militant palestinien, le camarade Salah Salah. Le camarade Salah Salah, comme des centaines de milliers de Palestiniens, était chassé de ses villes et ses villages en 1948. À l'âge de 12 ans, avec sa famille, il est arrivé au Liban. Il est ensuite s'est engagé dans le mouvement national palestinien. Il est membre du Conseil national palestinien depuis 1970, membre de sa commission des réfugiés, et il nous donne son appréciation sur les récents événements au Liban et en Palestine. Alors pour conclure, je dirais que ce numéro, nous allons aller le porter aux travailleurs, aux jeunes, aux militants qui sont confrontés à cette rentrée scolaire chaotique, qui sont confrontés au plan de licenciement, qui sont confrontés à cette entreprise de destruction systématique. Ce numéro 255 est le premier numéro hors notre série d'abonnements d'été qui s'est terminée la semaine dernière, et d'ores et déjà vous êtes 6396 à vous être abonnés ou réabonnés qui recevraient ce numéro. Beaucoup des abonnés d'été continuent à discuter, à réfléchir pour prolonger leur abonnement, et puis comme nous en rendons compte dans le journal, le numéro 254 de la semaine dernière a été largement diffusé à la porte des entreprises, au porte-à-porte dans les cités HLM et sur les marchés le week-end dernier. Sur les marchés le week-end dernier, près de 500 exemplaires de la Tribune des Travailleurs ont été diffusés de la main à la main. Et nos diffuseurs, qui le racontent cette semaine dans le journal, nous indiquent, et ce n'est pas une surprise, je cite, « beaucoup de révoltes parmi ceux qui achètent le journal. L'opération de licenciement chez Alinéa ne passe pas. La rentrée scolaire provoque colère et inquiétude. » Oui. Cette colère, cette révolte, elle a sa place dans un hebdomadaire, dans la Tribune des Travailleurs, que nous allons diffuser cette semaine et dont nous allons proposer très largement aux travailleurs, aux jeunes autour de nous, de s'abonner et se réabonner. Merci et à la semaine prochaine.